Just a quick test before top of the hour. J, on est en ligne hein, sur Parfait. Facebook. Et on va juste attendre que les gens se connectent. Puis euh, bonjour à tous. Donc, on va juste attendre un petit deux, trois minutes là, que les gens se connectent. Puis par la suite, on va débuter la, la présentation d'aujourd'hui, le webinaire. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est AJ Gentile. Je suis un des formateurs pour Gosselin, le collège Gosselin ici. Et puis euh, aujourd'hui, on va parler justement euh, de la photographie mobile. Que ça va être intéressant. Ceux qui euh, y, euh, photographient plutôt avec leur, leur, euh, caméra, euh, leur, leur caméra, je veux dire leur téléphone euh, intelligent euh, avec leur caméra euh, dedans. Et puis euh, c'est ça. On va juste attendre que quelques, quelques abonnés se branchent. Et puis on va partir avec euh, cette belle présentation-là fournie par Gosselin, Collège Gosselin. Super, on a déjà 300 personnes qui sont connectées sur le webinaire. AJ. Parfait. On va partir avec la présentation, tout le monde. Que... On va attendre peut-être deux, deux, deux petites minutes encore. Deux petites minutes, parfait. Ouais. Donc, on voudrait savoir euh, si, vous avez, vous voulez, si vous avez des questions, en fait, euh, posez-les dans le chat sur le Facebook Live. Euh, on va essayer d'y répondre à la fin de la présentation le plus possible. Euh, si vous avez par la suite euh, des questions par rapport aux produits, vous pouvez écrire à l'adresse courriel info à commercialgossinphoto.ca. Euh, puis notre service à la clientèle va essayer de répondre euh, le plus rapidement possible à vos questions. du euh, pourra répondre euh, aux questions là, qui sont le, le, le plus fréquentes là, à travers le chat là, à la fin de la, de la présentation. Par contre, on a quand même un, un 60 minutes aujourd'hui, donc euh, ça passe assez vite. Euh. Ça va être le début aussi de, de nos cours qu'on va lancer en ligne, n'est-ce pas? Oui, en fait, on est en train de travailler sur une nouvelle, un nouveau calendrier de cours en ligne. Euh, donc, les, des cours similaires à ce qu'on donne à, habituellement en magasin. Euh, donc, vous allez pouvoir, là, dans les prochains cours, vous inscrire à des cours comme Lightroom, Introduction Lightroom, euh, des cours aussi sur euh, les appareils photo. Euh, donc, on, on va débuter tranquillement là, avec ces cours là, en ligne, puis on va vous faire l'annonce via l'infolette de Gosselin et aussi euh, la, page, la page Facebook de Gosselin. Fantastique. Fait qu'on va pouvoir peut-être euh, se voir un peu plus souvent euh, durant cette, euh, ces, 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 ces temps de. Assurément. De... <laughs> oui, exactement. À notre plus grand euh... <laughs> bonheur. Ben oui, ben oui. Ah, j'ai déjà note ici, il y en a déjà 600 personnes sur Facebook. Wow! Fantastique. Yes. Hey, merci d'être là pour cette, cette deuxième édition. Euh, on va essayer de plus possible d'en faire un euh, à tous les mardis là, euh, dans la mesure des possibles. Donc, euh, il est fort probable qu'on en ait un autre euh, la semaine prochaine. Donc, vous allez euh, avoir l'information encore là via, via l'infolette euh, de Gosselin. Donc, Edgy, est-ce qu'on est, on serait prêt à débuter? Absolument, on est prêt. Que okay. On va partir avec notre présentation ici sur la photographie mobile. Fait que pourquoi on, fait, on, veut, on veut utiliser nos euh, cellulaires et nos tablettes euh, en fonction de la photographie? C'est-à-dire qu'un photographe euh, américain qui s'appelle Chase Jarvis, euh, il a probablement le meilleur euh, slogan. C'est-à-dire que euh, l'appareil la, photo contient. Euh, la caméra que l'on, euh, avec soi, en, euh, est la meilleure, c'est-à-dire celui qu'on tient toujours avec nous. Pas je, pour ceux qui me connaissent déjà, vous, vous savez très bien que, moi, mon appareil photo, il est collé à mon hanche. À, à, à mais il y en a certains qui ne veulent pas nécessairement avoir tellement un grand appareil photo. Fait que dans ce temps-là, euh, ils vont euh, s'attendre avec le, le, le cellulaire. C'est aussi souvent le pourquoi. Qu'on l'utilise parce que normalement, les gens vont, vont ne prendre pas un photo pris par un, un, un cellulaire particulièrement euh, au sérieux. Euh, C'est-à-dire que les gens, dans ce temps-là, quand ils voient pas de, de gros appareils avec des, 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 des gros objectifs et tout ça, euh, sont, sont moins portés à, 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 d'être figés, d'être nerveux. Euh, sont moins timides, intimes, euh, excusez, intimidés par euh, les, les, euh, les appareils photos de, 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 de tablettes et caméras. Euh, pourquoi aimons-nous utiliser nos téléphones? Parce que c'est relativement facile à utiliser. Je t'avoue que euh, la, la génération d'appareils de, 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 photo avec les téléphones et les tablettes, c'est carrément qu ce qui a remplacé euh, justement les appareils instantanés. Euh, du, du, euh, du temps du de, 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 de pellicule. Fait que, je veux dire, c'est très, très, très facile à utiliser. Vous avez juste besoin de peser euh, sur le bouton du, euh, du déclencheur, puis tout est automatique. Il règle ses, sa, sa mise au point en fonction de qu ce qu'il voit. Euh, Souvent sont assez intelligents pour savoir où faire la mise au point sur le sujet. Euh, c'est beaucoup plus spontané. Euh, il y a beaucoup plus de spontanéité, plus de créativité euh, comparé à, à, à les instantanées de l'époque euh, du pellicule. Aujourd'hui, vu que il y a tellement de, 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 de logiciels et d'intelligence en arrière des, 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 euh, des, des, euh, voyons, des téléphones et tablettes intelligents, c'est que il y a beaucoup plus de latitude qu'on peut euh, traiter les images directement dans les téléphones et dans les tablettes pour aller chercher justement euh, différents euh, styles de photographie euh, qu'on cherche à faire. Vous voyez cet exemple ici avec le, euh, en travers de la fenêtre euh, durant une journée de pluie euh, avec l'arbre. Euh, il y a tellement de choses à prendre aussi en photo, c'est-à-dire que depuis que l'Internet, depuis les années euh, 90. Euh, you know, Facebook, seul, juste Facebook, quand on la regarde, you know, euh, il y a des téléversements de, 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 de 250 000 photos par minute. On a 300 millions d'images par jour, plus de 250 milliards euh, au total. Instagram, un autre réseau social, mais là, vous avez encore euh, mm -hmm. une 20 milliards de photos au total, plus de 58 euh, millions de photos par jour qui sont partagées euh, sur cette réseau. Euh, ce là Vous avez la banque d'images de, 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 de Flickr euh, que les autres possèdent 90 millions de photos, 3,5 millions d'images par jour. Et vous avez aussi Snapchat qui a plus de 700 millions d'images téléversées par jour. Fait que, Spécialement aussi avec, avec les, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de, 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 de partager vos photos directement de vos tablettes et vos téléphones. Euh, même que depuis les de dernières deux ans, les appareils photo euh, ils ont le, 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 voyons, la capacité de, de, de télécharger leurs photos de la caméra à votre téléphone ou tablette en, en travers Wi-Fi. Mais c'est vraiment l'Internet qui a vraiment porter la photographie à complètement un autre niveau pour l'instantané. Okay. On va continuer ici. Vous avez certains euh, points euh, plus importants, euh, c'est à dire que euh, ce soit avec un réflexe, un hybride, un appareil compact ou un téléphone. Tous les appareils photos sont que utiles. Le photographe en tant que tel, peu importe quel appareil qu'il a des mains, le photographe en tant que tel devrait être capable de, de l'utiliser en fonction de compter son histoire. N'oubliez pas que c'est la photographie, quand même, euh, comparée un peu à l'instantané d'aujourd'hui, la photographie en tant que tel, doit quand même compter une histoire. Puis, un photographe doit être capable de compter la même histoire en composition, peu importe qui a un, euh, un réflexe, un hybride, un compact, un, un bridge ou un téléphone euh, cellulaire puisque justement, c'est quand même capturer le moment. Les technologies derrière les, 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 euh, les appareils euh, mobiles, c'est-à-dire tablettes et euh, téléphones, c'est que euh, vous avez deux points qui sont très importants. Le capteur est très petit et cela a de, euh, des conséquences euh, importantes sur le, les possibilités, c'est-à-dire que vu que les capteurs sont tellement... Plus petit qu'un capteur réel sur un, sur un plein capteur. Dans ce temps-là, vous avez les, vu que les pixels sont beaucoup plus petits, on ne parle pas de nombre de pixels, on parle de taille de pixels, ils portent un, moins de plage dynamique pour la lumière. C'est là où il va créer beaucoup plus. Si vous regardez dans cette coucher de soleil ici, vous allez voir de la pixelation. Ce n'est pas nécessairement le grain. Mais c'est-à-dire que vous, avez, vous, vous allez voir les pixels qui sont éclatés. Ici, vous avez euh, d'autres exemples. Comment est-ce qu'on peut euh, utiliser le cadrage pour apporter plus à la photo en tant que telle? OK, euh, il faut... So, faut quand même travailler. Et le photographe, ça, c'est l'autre chose aussi c'est que le photographe prend le temps pour découvrir quels sont les, dé, les, les déficits dans l'outil qu'il utilise, puis il travaille en dedans de ces euh, limitations-là. Okay. C'est très important de connaître votre, votre appareil, peu importe quelle sorte d'appareil que vous avez, et de l'utiliser à son maximum en tant que tel. Excusez. Euh, fait, dans, les rés... dans les résolutions des capteurs, euh, vous avez les iPhones qui jouent entre 8 à 12 mégapixels. Vous avez les, euh, les appareils Google qui vont jouer dans les 12 mégapixels. Huawei euh, qui va faire 12 à 40 mégapixels. LG joue entre 13 et 16. Euh, Samsung, euh, ça joue entre 12 16. Je t'avoue que je ne sais pas euh, s'il y en a d'autres qui ont sorti un peu plus, euh, ré plus récents, qui vont avoir un peu plus de mégapixels, mais quand même, ça vous donne une idée de euh, quelle capacité qu'on peut aller chercher en fonction de résolution. Quand on parle de taille du capteur, regardez ici l'échelle qu'on a, qu a fait ici, c'est des, des équivalents d'un de, 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 de format de plein capteur jusqu'à votre, votre, euh, votre, la taille de votre capteur en, en mobile. C'est-à-dire qu'on part de, justement, un 36 par 24 mm, puis on s'en va jusqu'à une 5 mm. 5, euh, Excusez, il <laughs> faut que je respire. Euh, 5,6 mm euh, et euh, 4,2 mm. C'est tellement petit comme... C'est comme, I mean, bien beau de le voir, le graphique en tant que tel, mais euh, si je reviens de bord ici, c'est 5... Ça, ça me donne 5 mm en fonction de... Regardez versus mon œil à cette distance-là, comment est-ce que c'est quand même assez petit. Okay? So, euh, pour ça... Il faut qu'on travaille en dedans de ces limites-là aussi. C'est-à-dire que vous allez voir la, une, une très, 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 très grande différence de qualité quand vous faites l'impression. Euh, N'oubliez pas qu'à l'écran, vous êtes déjà figé à un certain nombre de pixels, euh, qui est un, euh, si on prend un écran HD, normalement, ça va être à peu près le minimum, euh, le maximum, ça va être à peu près un, euh, si je me rappelle bien, HD, ça joue dans les deux mégapixels. À propos des objectifs sur les appareils euh, sur les appareils de, de, de téléphone euh, intelligent, n'oubliez pas que vous n'avez aucun, aucun euh, zoom mécanique. Qu'est-ce que vous avez? Puis aujourd'hui, plus important aujourd'hui, c'est que vous avez plusieurs objectifs avec plusieurs capteurs. Euh, je crois que le seul euh, aujourd'hui, c'est l'iPhone iPhone 11 euh, qui est rendu que chacun des, 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 des objectifs en tant que tel a leur propre. Euh, capteur de la même taille. Tandis que, si je me rappelle bien, ça, c'est un iPhone X. Puis l'iPhone 10, lui, la 26 mm, euh, c'était un capteur de 12 mégapixels. Puis le 52, c'était un, un équivalent d'un 8 mégapixels. Vous n'avez aucun diaphragme mécanique. Vous êtes figé à le f1.8 et le f2.4 pour le téléobjectif de ce téléphone-là. Fait que, en, en, temps, en, en temps réel, euh, il y a beaucoup moins de mécanismes mécaniques que vous pouvez contrôler la, votre lumière pour aller chercher euh, vos propres euh, les, les, les profondeurs de champ qu'on cherche à, à, à compter de notre histoire. Tandis qu'avec les appareils photo, euh, c'est là où c'est beaucoup plus. Pour certains, ça va être plus compliqué parce qu'il y a tellement de choses à contrôler. Tandis qu'ici, vous avez aucun. Euh, aucun con, Bon, pas aucun contrôle en tant que tel, mais je veux dire, vous n'avez aucun problème parce que l'appareil prend charge de tout pour vous. Euh, c'est sûr et certain, à propos de le zoom numérique, c'est que vous pouvez, avec votre doigt sur l'écran, zoomer sur votre sujet. Techniquement, les photographes vont toujours dire de ne jamais utiliser un zoom numérique, mais faire, faire, faire attention parce que n'oubliez pas que quand vous utilisez votre zoom euh, numérique, vous êtes en train de réduire le nombre de pixels qu'il va reproduire dans la photo. Ça, fait que ça va être beaucoup plus pixelé. Je vais juste voir s'il y a des questions. On continue. Ça, regardez cette photo ici, c'est là où ce que nous avons rapproché sur le sujet. La distorsion que vous voyez ici, c'est que euh, en fonction de ça en fonction de cette photo-là, euh, il a utilisé l'objectif ou peut-être il était figé juste sur le seul focal qui est une grande angle. C'est pour ça qu'on le voit très volumineux, très, très globuleux. Globul euh, dans ce temps-là, ça, ça serait plus intéressant si vous voulez aller chercher juste un détail de zoomer dessus. Mais comme je vous dis, faire attention à quel point que vous zoomez parce que ça va détériorer la qualité de votre image à, en fonction de vos pixels. OK, mais il n'y a rien qui t'empêche quand même de recadrer pour euh, y aller chercher réellement l'histoire, le, 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 le sujet de votre histoire. Très important de toujours, toujours garder votre. Puis si on regarde ici, ça c'est euh, votre c'est l'objectif euh, arrière qu'il que, que, qu est en train de, 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 de nettoyer, garder ça propre parce que c'est sûr et certain, dès que vous avez un petit, je ne sais pas un pellicule, mais genre un petit. Euh, tâche d'huile des mains ou que que ce soit, ça va rendre la photo floue en conséquence de ça aussi. Fait Il faut toujours, toujours, toujours garder les, les doigts loin de vos objectifs. Stabilité, c'est sûr et certain, assurez-vous d'être bien stable lorsque la photo prise en basse lumière parce que justement, vous avez quand même peu de, 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 de contrôle sur la vitesse. C'est l'appareil qui va aller chercher le... le, le, le les réglages en tant que tel automatiquement. Euh, c'est sûr et certain. Il y en a certains aussi, certains téléphones plus récents aujourd'hui, euh, me semble qu'ils ont, euh, sur certains des objectifs, euh, ils vont avoir des, stabilisa des stabilisateurs. Euh, mais ça, c'est je, je crois que c'est encore très, très, très récent pour, pour ces, ces téléphones. Euh, ces appareils-là. Maintenant, on va continuer sur l'utilisation de la, la, la caméra sur votre téléphone en tant que tel. So, euh, si vous regardez ici, euh, si vous regardez ici, on fait le, le mise au point qu'on fait ici, c'est le, le, le carré jaune euh, où ce que justement euh, on a été chercher réellement, on a touché l'écran pour aller chercher réellement où faire son mise au point pour pas qu'il s'en va chercher genre euh, le mise au point sur la montagne qui est beaucoup plus loin que le sujet. Euh, mais vous avez juste besoin de toucher sur l'écran où ce que vous voulez faire cette, cet ajustement-là. Vous avez aussi la correction que vous pouvez faire, euh, puis c'est en fonction d'éclaircir ou de la, la rendre plus sombre euh, votre photo. Euh, puis qu'est-ce qui est très important en numérique On le sait très bien avec les, euh, les photographes ils savent très bien que justement nous ne voulons pas euh, nécessairement surexposer parce que si vous regardez justement dans la première photo ici. Euh, la partie du cou du chien qui est à pleine lumière, euh, vous ne pouvez rien récupérer en, en fonction de détails d'informations ici. Qu'est-ce qu'on fait, que qu qu fait euh, normalement dans ces cas-là? C'est que nous allons prendre la partie qui est un peu plus sombre et en touchant l'écran, quand vous, quand vous sélectionnez, euh, genre, dans ce cas-ci, on a été chercher le museau du chien, on a gardé notre doigt dessus. Tout dans un mouvement et su, euh, juste, justement, baisser notre pouce ou notre doigt pour rajuster euh, le petit soleil que vous voyez ici, pour le descendre, pour sous-exposer, pour re reprendre les informations qui ont été perdues dans la première, euh, la première vue de l'appareil photo, qui est l'exposition générale. Si vous regardez ici. On a, on a fait exactement la même chose, sauf que qu'est-ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a choisi où faire la mise au point, puis automatiquement, en choisissant la mise au point, où -ce on, a, on, a, on a choisi une, une, une zone sur la photo où -ce qu elle était plus sombre euh, ou plus éclairée pour être capable de réellement sortir ces informations, ces détails de cette photo-là. Si on regarde l'aigle, le statut en, 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 en brasse, on a été chercher pour éclaircir un peu plus. Euh, la, la partie qui est sombre. Puis si on regarde la, la, les fleurs ici, c'est qu'on a été vraiment chercher surtout le mise au point et l'exposition vraiment sur le cœur du fleur qui est le, le, le sujet principal dans cette, cette image-là. OK. Et justement, euh, vous avez, si jamais vous faites une erreur, que vous voulez euh, annuler la mémorisation que vous venez de faire sur l'exposition et le mise au point. Vous avez juste besoin de peser n'importe où sur l'écran, puis il va se remettre en, en fonction automatique pour le pose-maître. Euh, vous avez aussi euh, certains modes flash que vous pouvez aussi euh, utiliser. Now, je t'avoue que le flash en tant que tel, euh, c'est un, un flash Dell. Ça limite à quel point que vous pouvez faire la photo, dans le sens que euh, vous avez une limite d'à peu près 10 pieds pour cet, pour, pour cet euh, éclairage-là. Euh, et puis aussi, euh, ça limite un peu l'exposition le, 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 en fonction que ça prend quand même une vitesse qui est assez basse pour être cap cap capable de capturer euh, l'éclair, mais quand même, euh, justement, dans cette, dans cette image ici, euh, ça serait très, très euh, utile pour justement éclaircir euh, le sujet en tant que tel. Et puis... Euh, si jamais, euh, par contre, il est possible aussi de l'annuler, c'est-à-dire que quand vous pesez sur, euh, peu importe quel, est, quel téléphone que vous avez, cherchez l'icône euh, de l'éclair du flash. Et puis c'est là où -ce que vous allez avoir trois choix que vous pouvez utiliser. Et puis pour euh, justement, quand vous êtes dans des places où -ce que le flash est interdit, c'est toujours mieux de l'annuler complètement. Pas qu'il l'utilise, qu'il va faire son ajustement en fonction réellement de la lumière qui est là en travers de la réglage euh, du triangle d'exposition qui est la sensibilité, la vitesse et euh, l'ouverture. Exemple, parfait exemple ici dans le, dans le musée. On est mieux d'aller chercher les, les lumières euh, naturelles euh, du musée euh, que d'utiliser le flash où ce que le flash aussi il, il, il est interdit, vous avez dans les églises aussi. Euh, on voit quand même que quand on fait une, une photo comme ceci, c'est une exposition générale de la photo complète. C'est sûr et certain, à, à certains points, je vais avoir des, des, des euh, difficultés avec les ombrages, les parties qui sont très ombreux versus les parties qui sont très éclaircies. Mais vous allez voir, il y a une fonction que vous pouvez utiliser qui pourrait corriger ça mieux que juste d'annuler euh, le flash. Ça s'en vient. Euh, si vous voulez forcer le flash, ex parfait exemple ici, c'est que normalement, ici, il y a trop de lumière. Bien, il y a assez de lumière pour l'exposition générale, mais il n'y a juste pas assez de lumière sur le sujet en tant que tel. Fait qu ici, c'est là où que je vais le forcer le flash, puis je vais sélectionner euh, le mode du flash, puis je vais l'activer. La, euh, en mode forcé, où ce que maintenant, euh, le flash, peu importe quelle est la lumière du fond, il va l'utiliser pour éclaircir l'avant-plan. Éclair, éclaircir, le, le, Et, exemple, c'est exactement le parfait exemple ici, c'est que j'ai un sujet, la première, fo, la première photo, c'est que j'ai un sujet qui est en contre-jour, parce que l'éclairage qui rentre par la fenêtre est beaucoup plus élevé que l'éclairage qui est à l'intérieur. En utilisant la flash, on voit très bien que maintenant, euh, avec, le, avec la flash, maintenant, je peux balancer les deux différences d'éclairage, de, celui de l'extérieur qui rentre par la fenêtre derrière le sujet. Et maintenant, moi, euh, j'ajoute beaucoup plus de lumière sur le sujet en tant que tel. AJ, j'ai une question ici. Oui. Euh, si jamais on euh, ne veut pas utiliser le flash, est-ce qu'il y a une autre option qu'on peut utiliser pour éclairer, pour pallier à ça? C'est sûr et certain, vous avez différentes, euh, vous avez différentes options d'accessoires que vous, vous pouvez ajouter euh, en fonction du flash. Euh, mais techniquement, c'est justement euh, cette partie-ci, justement sur l'HDR, c'est là où ce que ça serait un meilleur, euh, probablement une meilleure option en mes, mes euh, recommandations que d'utiliser euh, le flash intégré dans, euh, dans votre. Euh, votre euh, tablette ou, ou téléphone en tant que tel. Euh, comme je vous dis, il y, a, il y en a certaines options où -ce que vous pouvez utiliser des flashs euh, ou des éclairages justement en utilisant. Puis j'ai déjà fait euh, la photo juste en, en utilisant un flashlight, en lumière euh, continue d'une un, torche, puis après ça, euh, éclairer mon sujet en fonction de ça. Il euh, y, a, y, a, y a tellement d'autres fonctions qu'on peut, pas fonctions, mais tellement d'autres. Option qu'on peut utiliser, mais c'est beaucoup plus manuel, c'est beaucoup plus euh, essai erreur pour, pour pour être capable d'avoir un une belle une belle euh, résultat euh, pour ça. Ici, vous avez l'option euh, HDR qu'on peut utiliser soit en mode automatique ou en mode forcé. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est que si mon flash il est déjà euh, éteint et puis que je l'ai forcé en mode éteint. Dans ce temps-là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire un, un, une exposition en fonction de l'arrière-plan et une deuxième exposition en fonction de les, euh, les zones, qu'est-ce qu'on appelle les ombrages, les zones d'ombrage. Euh, puis, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre les deux pour justement euh, fabriquer une photo où l'ajustement sur le sujet dans l'avant-plan serait ajusté en fonction de l'arrière-plan ici ça se fait très rapidement. C'est lui qui le fait tout. Vous avez juste besoin d'être sûr et certain que vous êtes stable quand vous prenez la photo pour ne pas avoir trop de, 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 de différence de, 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 de cadrage entre les deux photos. Mais en fonction, aujourd'hui, les, les, les modes HDR sont quand même assez euh, intéressants euh, en fonction d'automatisme. Euh, des, des, et puis, n'oubliez pas qu'en pellicule, on n'avait pas ces, 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 ces facilités-là. Là. Ça, c'est tout depuis, depuis que le, le, la photographie est devenue numérique. Voici une un parfait exemple d'un HDR aussi, c'est-à-dire que vous voyez comment que le ciel euh, à l'extérieur est complètement surexposé, la parque est surexposée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est plutôt dans l'avant-plan, qui est le trottoir ici? Il est aussi euh, un peu plus égalisé, mais en fonction de la lumière. Qui est là versus la lumière dans le ciel. En HDR, qu'est-ce qui a été cherché? C'est plus le ciel qui est la partie bleue du ciel, la partie où -ce il y avait des nuages. On voit carrément le, le, le statut qui est dans le milieu de la parque. Euh, il y a beaucoup plus d'informations qui est. C'est sûr et certain, il n'y a pas pu aller chercher euh, les petits décors, décorations sur la fenêtre, mais il y avait, il y avait juste trop. De, de, de différence euh, entre ça, puis la scène qui est... Puis la question aussi, c'est où est l'histoire ici? L'histoire, c'est plus important d'avoir l'éclairage les, 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 euh, du fond. Euh, ça, ici, c'est juste pour, je veux dire, d'avoir la, la fenêtre devant. C'est plus de montrer l'angle la, 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 de vue, la prise de vue, où ce que j'étais quand, quand cette photo a été prise. On va parler maintenant un peu de euh, quest ce qu'on peut faire dans l'appareil en fonction de le micro-logiciel, que ce soit Android ou que ce soit euh, iPhone. Je t'avoue que euh, la présentation est un peu plus sur l'iPhone que sur les Android, mais euh, vous pouvez trouver les mêmes options euh, dans les deux, dans les deux, euh, dans les deux euh, compagnies de, 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 de micro-logiciels. ici, vous avez euh, la baguette magique. En Android, je crois que ça s'appelle Auto. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va jouer euh, réellement sur la luminosité, la contraste, les saturations des couleurs, la balance de blanc. Euh, puis, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va s'éclaircir les ombrages un peu plus, puis il va sous-exposer un peu plus les, euh, les, euh, les hautes lumières en fonction de la luminosité. Il va ajouter un peu plus de contraste. Euh, la satura, il va jouer sur la. Si vous regardez ici, la saturation des couleurs sont un peu plus vifs. Euh, sur celui qui est, qui est ajusté à droite comparé à la, la photo d'origine. Malgré que, je t'avoue, normalement en numérique, on dit toujours que vous êtes toujours mieux de sous-exposer un tantinet puis s'ajuster par après. En sous-exposant, ça me permet d'aller chercher un peu plus de, justement, euh, informations que je pourrais jouer avec par après. Ça, c'est la baguette magique euh, intégrée dans vos téléphones. Vous avez aussi, vous pouvez recadrer. Euh, je t'avoue que le recadrage pour moi, c'est plutôt pour arranger euh, l'horizon pour que l'horizon soit droit plus que d'aller chercher plus près. Euh, normalement, puis écoute, à la base, je suis un photographe, fait que je suis ajusté, euh, je, excusez, ajusté, je suis habitué que si je n'ai pas la fonction d'un zoom, euh, mécanique, je vais m'avancer puis je vais pouvoir approcher le sujet pour que le sujet prenne plus de, 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 de zones sur mon, mon capteur en tant que tel pour avoir une, une meilleure qualité de photo. En regardant toujours l'œil sur la di distorsion que le focal va faire, c'est-à-dire que si je suis pogné avec un seul objectif qui est réellement euh, une grande angle, je vais aller chercher, je vais, je vais jouer en dedans de les limites pour ne pas introduire trop de distorsion non plus. OK. Mais surtout, vous avez le, 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 le recadrage que vous pouvez ajuster en fonction du niveau de votre, de votre, de votre photo, de votre prise de vue. Vous avez aussi certains filtres automatiques que vous pouvez euh, justement jouer sur la photo en tant que telle. Puis, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec la, la, la numérique qu'on n'avait pas en pellicule en tant que tel, c'est qu'aujourd'hui, on, 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 on peut jouer, on peut modifier une un photo au niveau du pixel. Fait que de virer un, 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 justement une un photo de couleur en noir et blanc, c'est très facile aujourd'hui. Euh, et puis pas juste ça, c'est que quand vous, vous utilisez ces modes-là, comme ici là, le mode mono, le mode argenté ou le mode noir, euh, c'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on voit à travers notre capteur. Fait qu'est-ce qu que je vois sur l'écran? C'est un peu aussi l'effet du filtre que je suis en train d'utiliser. Vous pouvez l'appliquer avant ou après comme vous voulez. Vous avez justement euh, des fils qui vont jouer sur la saturation des couleurs. Il, va, il y en a d'autres qui vont jouer sur la contraste de, de la photo, euh, puis encore euh, changer euh, d'un photocouleur à noir et blanc. Euh, voici un exemple de saturation. Puis on voit très bien si vous regardez dans cette coin ci en arrière de la patte du chien. Regardez l'orange. Comment est-ce que ici l'orange est beaucoup plus euh, plus évident, il est plus, plus accentué. Regarde dans le ciel ici où ce que où ce que le soleil, euh, il c'est beaucoup plus chaleureux ici dans la deuxième photo que dans la première. Fait à certains points vous pouvez accentuer euh, les couleurs un peu plus fortes ou les atténuer si vous voulez. Vous trouvez que c'est euh, déjà trop, trop fort comme couleur. Maintenant on va parler un peu de le format de le format de l'image. Puis j'avoue que ça ce, c'est un euh, ah, je, je viens de voir une question. Euh, Francis, je me demande toujours euh, ce qui a vraiment un impact, un impact dans les paramètres euh, caméra-cellulaire. Certains appareils semblent avoir plus de mégapixels, mais certains en ont moins, ont un peu plus de belle qualité de photo. Oui, euh, oui, ok. Ça, c'est une, une bonne question. Merci, Francis. Euh, c'est une bonne question parce que je t'avoue que la garde des, des mégapixels, c'est présent autant dans les capteurs d'appareils photo que dans les, dans les tablettes et les téléphones. Puis, la, 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 la meilleure façon que je pourrais expliquer ça, c'est que vous voyez ça en fonction de, vous avez un certain taille physique de votre capteur. So, si j'ai un capteur qui mesure un certain taille, qui a, tout, qui a 12 mégapixels, et puis que j'en ai un autre qui aurait 24, mais la même taille physique, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui arrive? C'est que celui du 12 mégapixels, les capteurs en tant que tels sont plus gros. Fait qu'eux autres, ils peuvent, ils ont plus, qu'est-ce qu'on appelle, de plage dynamique, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller chercher beaucoup plus de lumière avant d'éclater, de, de, de remplir totalement, et de déborder sur des pixels de côté, tandis que celui qui a 24 mégapixels, il va avoir moins de plage dynamique parce que les capteurs en tant que tels sont moins gros, sont moins, ou peut-être on peut, pourrait dire si on voulait le comparer à un puits, sont moins profonds pour aller chercher plus de lumière, mais vu qu'ils sont beaucoup plus petits, quand on parle de... Euh, le la, la, la détail à l'infini, de loin, le détail qui est minuscule, celui de 24 mégapixels va pouvoir aller chercher beaucoup plus de détails. En photographie, je t'avoue que vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir une, belle, une, 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 une plage dynamique euh, parfaite avec le meilleur détail fin possible. Il faut toujours choisir entre les deux, OK euh, et puis, j'espère que ça donne un peu plus d'éclaircissement sur cette question-là. Euh, mais euh, c'est ça, c'est que si vous avez euh, justement un puis, je t'avoue qu'au début, quand ils ont introduit multiples euh, objectifs euh, sur le dos du, du, du téléphone ou du tablette en tant que tel, euh, c'est là où que les, plus gros méga, les capteurs de plus gros mégapixels étaient toujours sur, sur les objectifs qui étaient grand angles. Parce qu'en grand temps, je m'en vais chercher, je vais aller chercher plus de détails loin, large. Tandis que quand je zoome dessus, je n'ai pas besoin, parce que vu que je suis en train déjà d'approcher mon sujet pour aller chercher plus, plus précisément mon sujet, j'ai déjà les détails en fonction du zoom en tant que tel. Fait que je n'ai pas besoin d'aller chercher genre un 12 mégapixels en téléobjectif quand, euh, euh, pour aller chercher les mêmes détails que j'aurais avec le 12 mégapixels double, non, euh, 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 voyons, double de nombre de pixels avec la grand-angle, parce que la grand-angle couvre beaucoup plus large. Donc, dans ce temps-là, c'est plus euh, avantageux d'avoir plus de mégapixels avec la grand-angle qu'avec le, 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 le téléobjectif. Maintenant, on va juste continuer sur la prochaine section du présentation, qui est le format de l'image, puis je t'avoue que chez Gosselin, j'étais euh, le, 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 le gérant des services, c'est-à-dire le, le laboratoire euh, de photographie, et puis j'avais beaucoup, tellement beaucoup de questions sur justement le format de l'image. Euh, comment la prendre, comment l'ajuster en fonction de l'impression et tout. On va premièrement passer euh, d'avoir une photo que vous voyez ici, il y en a un qui est quatre tiers. Qui est en rectangulaire, vertical versus euh, celui qu'on a cadré ici, euh, cadré. Euh, les, gens vont, bon, les gens vont dire aujourd'hui que le format carré vient d'Instagram. La vérité, et puis je t'avoue que moi, je suis un dinosaure de photographie, ça fait une quarantaine d'années que je fais de la photographie, c'est-à-dire que j'ai commencé très, 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 à un très jeune âge, en chambre noire, puis j'ai fait, fait beaucoup de photographies en fonction de pellicules. Carré ou qu'est-ce qu'on appelle du 2 et quart, du, du format médium, où ce que la plupart de ces grandeurs-là étaient plus carrées que euh, rectangulaires. Le rectangulaire est sorti vraiment plus avec la 35 mm, euh, quand les 35 mm ont, sont introduits euh, à la photographie. Mais malgré que euh, Instagram en tant que tel a pris le format carré comme leur, on va dire, leur format euh, iconique. So, euh, vous avez euh, justement, whoops, vous avez justement le même portrait ici. Euh, puis vous voyez comment est-ce que le format carré, le sujet a l'air être, quand même qu'on voit qu'il y a quand même pas mal le même espace au-dessus de la tête dans les deux photos, la photo ici, qui est rectangulaire, est beaucoup plus centrée sur, sur le modèle, tandis qu'ici, j'ai beaucoup plus d'espace vide. À côté des, de ses épaules, sur les côtés de ses épaules. Okay. So, C'est sûr et certain, dépendant quelque, quel format que je vais utiliser, ça peut ajouter la dynamisme ou euh, ça peut aussi l'enlever. Le capteur euh, des téléphones, c'est-à-dire euh, téléphone et tablettes, normalement, ce sont tous euh, de la format 4.3, 3 okay, qui portent plus euh, les mêmes formats, on appelle ça les micro-4 tiers d'Olympus et de Panasonic. Um, sont un peu plus carrés, c'est plus en, en, en fonction de, de les anciens écrans. Puis je sais que pour, pour certains de vous, vous, vous en connaissez pas ces, ces, ces écrans-là, là, mais c'est-à-dire les télévisions CRT avec les gros tubes en arrière, euh, le format dans le temps, c'était vraiment d'être un peu plus carré que euh, qu'est-ce qu'on est habitué aujourd'hui avec le HD, puis le Full HD, puis le 4K euh, à 16 9. Um, mais en tant que tel, pour utiliser toute le capteur, la surface de le, du capteur pour prendre la photo, normalement, c'est le 4-3 euh, comme format qu'on va utiliser. Now, à cause de cette limite de, 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 de taille de capteur-là, on est porté toujours d'aller chercher certaines grandeurs en impression. Et puis, typiquement, euh, le 4 par 6 vient du, 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 du format d'un 35 mm qui a un ratio de 3-2. Pas 4-3. Okay? Il est encore plus rectangulaire parce que avec le 35, quand le 35 mm est sorti, c'est justement, euh, on voulait aller chercher quelque chose un peu plus égal à qu ce qu'on voit, qui est un peu plus rectangulaire quand on regarde une image. Fait que si on prend une impression 4 par 6 ici, et puis on prend la photo 4-3, puis on l'insère dans la 4-6, vous allez voir que vous perdez dans la 4-6, pas dans la photo, dans la L'impression du 4-6, vous avez un bordure blanc sur chaque côté parce qu'en fonction, le 4-3 est plus carré que l'impression que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis si vous allez sur notre site web, quand vous, quand vous envoyez les photos à faire imprimer, vous avez justement ces échelles que vous pouvez jouer avec entre 4-3. 3, 2, c'est-à-dire un, un 4, 6, un 5, 7. Fait que cette photo-là fitterait mieux dans un 5, 7 que dans un 4, 6. Parce que si je remplis le cadrage au complet du papier, qu'est-ce qui arrive? C'est que ma photo va dépasser par-dessus et par-en-dessous. Parce que maintenant, je l'ai tiré pour fitter dans la 4, 6. Et qu'est-ce que ça donne? C'est que on coupe la tête du papa et on coupe un peu plus les pieds ici en dessous. So, si vous allez justement euh, faire l'impression dans les formats de genre 4, 6, 8, 12, euh, 12, 18, vous êtes toujours mieux de faire attention quest -ce, que, qu ce qui va être coupé. Donc, so, cadrer un peu plus, dis, disons un peu plus large pour donner un peu plus de latitude quand vous tombez dans ces, euh, ces situations-là où ce que vous devez choisir justement. Euh, sinon, écoutez, euh, si vous voulez. La plus facile façon de faire, c'est cadrer carré, puis imprimer carré. Ça, vous ne perdrez, vous perdrez jamais un, 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 un bout de, de votre image. Gardez ça ici. Euh, voici des images qui ont été photographiées carrées. OK? Puis, ici, on, si on regarde la photo de, 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 de gauche, vous avez réellement des... Um, il a été cadré en fonction de... Euh, ben, C'est-à-dire qu'on a pris genre la règle, la règle de, 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 de tiers pour jouer avec les, les aliments, pour être capable de balancer la zone négative versus la zone positive. Si on regarde ici aussi, vous voyez comment c'est -ce quand même faisable de, 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 de produire des belles photos carrées. Je t'avoue que ça prend un peu plus d'attention pour, pour vraiment cadrer où ce que vous voulez avoir, votre, votre sujet principal, dans quel coin euh, de l'image. Même de centrer. T'sais, si on regarde cette photo-là, puis on regarde cette photo-là ici, qui est un tantinet décentré, euh, quel qui parle plus, bien, je te dirais plus, j'aime bien cette, cette photo de madame ici à droite, que si on regarde cette photo-là en tant que telle, ça a l'air d'être, comme on dit en anglais, en bon anglais, un chevreuil euh, dans les phares de Noto. Il est fugé là, il, puis ça porte pas une meilleure image à la personne en tant qu'elle entend d'un portrait. Vous avez aussi euh, vu que. Non, ça, c'est une chose aussi. Qu'est-ce que je vous avais expliqué à propos de euh, les mécaniques de, 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 qui, qui sont contenues dans votre, votre euh, appareil euh, de votre téléphone euh, ou de votre tablette? Vu que vous avez peu de contrôle mécanique sur, sur ces, euh, puis qu'est-ce que je vous avais montré en fonction de, genre, le iOS puis l'Android, le logiciel, le micro-logiciel euh, de l'appareil en tant que tel. Vous avez toutes sortes d'applications externes que vous pouvez utiliser qui vont faire certaines modifications pendant que vous prenez la photo ou par après, OK, pour le post-traitement. So, ici, si vous regardez euh, ce téléphone-là, elle a déjà un panoplie de différentes euh, applications que vous pouvez l'utiliser en fonction de la prise de vue ou d'utiliser par après euh, en post-traitement. Okay. Vous pouvez appliquer des filtres, convertir en noir et blanc, améliorer les couleurs. Si vous regardez ici, le premier logiciel qu'on va regarder, c'est Snapseed. Et puis Snapseed, Snapseed, c'est réellement un genre un, un, un Photoshop ou un Lightroom en fonction pour le, 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 le téléphone et la tablette. Ça, ça permet d'aller chercher justement les luminosités, les saturations, les, les, toute tout les, tout la façade de l'exposition en tant que telle. Qu'est-ce qu'on ferait dans une chambre noire si on était en pellicule? Vous avez certes, vous pouvez ajuster votre justement le, le rognage de l'image. Euh, L'éclairage, les couleurs, les balances de blanc. Si on regarde ici, ça c'est un, un exemple d'une photo. Ça, ici, vous avez la photo euh, originale. De ce côté-là, ici, vous avez la, la, la même photo désaturée versus la, photo, la même photo ici saturée à 100 Vous avez les contrastes que vous pouvez jouer avec. Ça, ça ici, on a ajouté un 80 de, de contraste comparé à la, la photo D'origine qui était fade parce qu'à cause de, du, du, du brume, de l'eau qui était dans l'air. La, vous pouvez euh, justement faire juste des, des, des ajustements sélectifs. Dans ce cas-ci, on a juste saturé l'eau le, 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 de la, le, la, la lac en tant que telle ou la rivière. Euh, dans, le, dans, cette, justement, dans Snapseed, vous avez genre des filtres qui, on appelle ça des looks. OK? Et vous avez, si vous ne voulez pas, aller dans les, les filtres automatiques euh, de, de les looks, de la partie looks dans, dans Snapseed, vous pouvez y aller dans les outils, puis vous avez un panoplie d'outils que vous pouvez ajuster, utiliser pour ajuster vos photos en fonction de cadrage, euh, couleur, euh, exposition, saturation, noir et blanc, euh, rognage et aussi euh, netteté et même la réduction de bruit. Okay. C'est tout, tout numérique. Fait. Vous avez un exemple ici où que on a la photo que le, 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 le photographe a pris, la photo de, de, du moulin qui est là avec le. le voyons, la, la. Pas cascade d'eau, là. La, avec une chute ouais. de... ou <laughs> Désolé, j'ai un blanc de mémoire. Pas barrage, en fait. Le barrage, merci. <laughs> le barrage, c'est que si vous regardez la, la, justement la, la, la photo finale, c'est que nous avons ajusté un peu plus l'exposition. On a saturé un peu plus le ciel et le, le, la, 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 le moulin. On a ajusté un peu plus dans l'avant-plan sur les feuilles. Et par après, à dernière moment, on a ajouté un cadrage vignette, euh, pas vignette, mais excusez, vintage euh, sur le, 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 la photo pour la finaliser. Ici, vous avez une photo qui semble pas être très très belle en couleur en fonction de euh, photo de nuit. On voit beaucoup de, de, de distorsion de lumière, euh, de, de diffraction, pas diffraction, euh, diffraction de lumière, mais plutôt euh, aberration chromatique si vous regardez la globe qui est là. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé de le mettre en noir et blanc en tant que tel, puis cadrer réellement pour enlever tous ces éclats de lumière euh, de les, les lampadaires qui étaient alentour des sujets. Puis, ça apporte plus d'importance maintenant sur les sujets, ça raconte mieux une histoire ici, dans cette photo-là. Vous avez un autre logiciel euh, que, que vous pouvez trouver sur euh, Android et sur euh, iOS, c'est-à-dire que ça s'appelle Color Splash. I mean, you know, C'est très artistique. Uh, vous voyez comment est-ce qu'on a choisi juste de garder les couleurs dans la tuque de la fille, de la modèle, puis verrez tout le reste en noir et blanc. Voici d'autres exemples. Um, like, you know, C'est ça. <laughs> okay. uh, L'oiseau et le chien ont l'air tous les deux d'être collés. Euh, dans la photo en tant que telle, mais quand même, euh, il y a certains gens qui aiment ça. Et puis, c'est une autre façon de voir euh, le monde en l'entour de nous. Euh, vous avez aussi. Euh, ça, ça c'est une, une application qui est quand même intéressante dans le sens que ça apporte un peu plus de les, les fonctions manuelles euh, et les fonctions euh, RAW ou fichiers bruts euh, à les appareils. Euh, je t'avoue que. Malgré qu'aujourd'hui, les nouveaux iPhones depuis l'iPhone 10 puis certains des Android depuis, je dirais, peut-être un an et demi, vous avez déjà accès à le fichier brut de l'appareil en tant que tel, vu que c'est quand, I mean, quand même logique. T'sais, on joue toujours avec la numérique. Fait que pourquoi ils n'ont jamais introduit le RAW euh, voyons, plus, en, euh, voyons, plus, euh, plus vite? Euh, plus récent qu'aujourd'hui euh, sur les anciens euh, caméras euh, intelligentes, je veux dire euh, téléphone intelligent puis tablette. mais cet, cet euh, logiciel-là qui s'appelle Camera Plus 2, euh, Cam Camera Plus 2, ça, ça t'ajoute le contrôle sur l'ouverture, la vitesse et l'ISO. Euh, euh, ça vous donne aussi acc accès à vos euh, fichiers RAW de vos photos. Il euh, y a c'est-à-dire que si vous regardez dans la deuxième euh, photo ici, euh, lui introduit un peu plus une un reconnaissance euh, de face en tant que telle, euh, un déclenchement à c'est-à-dire que ce logiciel-là, il compare les pixels de votre sujet qui est, où ce qui est le mise au point il est fait, puis tant qu'il voit pas de, de mouvement. C'est là où il va prendre la, la photo en tant que telle. Fait. Puis vous avez aussi à la prise de vue que vous pouvez tout de suite appliquer certains filtres avec, avec cette logiciel-là. Pour ceux qui sont, euh, comme moi, euh, pas, vendus à Adobe, euh, Adobe a lancé euh, quelques, vu qu'on travaille beaucoup avec des tablettes, euh, les iPads, euh, ils ont introduit certains euh, logiciels mobiles pour donner le, le, le contrôle qu'on a en logiciel d'ordinateur, de, de, de desktop en tant que tel, sur les tablettes et les téléphones. Fait que vous avez justement Lightroom CC, qui est un, une version, euh, pas, je ne dirais pas moins efficace, mais moins compliquée, moins avancée un peu que, que ce qu'on utilise à l'ordinateur. Mais vous avez quand même les euh, contrôles euh, plus importants. Euh, que Lightroom CC vous donne euh, accès, ou Lightroom Mobile aujourd'hui, je pense que ça, ça s'appelle plus euh, Lightroom CC Mobile aujourd'hui. Vous avez aussi une un version mobile de, de Photoshop, qu'avec lui, vous pouvez justement jouer un peu plus en fonction de calques, appliquer des textes, euh, changer des... des, des euh, ajouter des filtres, euh, euh, vous, avez, vous pouvez en, envoyer la voile atmosphérique avec lui. Et puis après ça, euh, le sauvegarder en fonction d'un deuxième fichier ou troisième fichier, comme vous voulez. Ici, vous, avez, vous pouvez faire des collages et montages, correction de défauts avec lui, euh, effet de flou avancé, euh, c'est-à-dire vous appliquer des, des, des filtres euh, beaucoup plus avancés qu'avec d'autres logiciels. Euh, aussi, des styles de, 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 de bordure que vous pouvez appliquer sur votre photo, des vignettes. Un autre logiciel euh, que vous pouvez aussi utiliser, puis Visco, c'est plus un logiciel en fonction de qu ce qu'on faisait avec le pellicule en tant que tel. Fait que lui, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est d'aller chercher des, des styles d'image, puis d'appliquer ces filtres-là sur la photo d'origine en fonction de, des pellicules argentiques et ou euh, des effets ou des, des traitements euh, plus cinématiques. Qu'on qu qu utilisait en, en cinéma dans le temps. Fait ici, vous voyez le noir et blanc, vous avez beaucoup, beaucoup plus de contrôle sur le noir et blanc en tant que les équivalents en argentique. Euh, ici, vous voyez, vous voyez que, comment est -ce que ces, ces photos-là ont été produites. Vous avez. C'est tous des, des interprétations de la photo qui a été prise d'origine. Un autre euh, logiciel, euh, application que vous pouvez installer qui transforment vos images numériques en fonction de, 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 de cadres de peinture. Euh, écoute, il y a une demande. Je veux dire, si, si ça n'aurait pas été introduit, ça, parce qu'il n'y aurait pas eu une demande en tant que telle. Mais regardez, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Genre, euh, prenez votre photo d'origine. Euh, même il y en a certains, excusez, certains euh, appareils photo qui ont des euh, filtres comme genre euh, Sony, il y en a le, y a le filtre qui s'appelle euh, aquarelle. Qui prend le JPEG puis le convertit en fonction d'un aquarelle, un peu comme, que, comme le Picasso que vous voyez ici. Et puis, euh, pour, pour la photographie mobile, vous avez tellement d'accessoires que vous pouvez ut utiliser en, 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 en tout temps aussi. C'est-à-dire que vous avez, euh, en, en fonction de, de l'objectif, vu que vous avez un seul focal en tant que tel euh, sur chacun de, de vos objectifs sur vos téléphones, que vous pouvez aller chercher avec ce qu'on appelle des convertisseurs. Et justement, nous avons certains modèles chez Gosselin fait par ProMaster. Ce qui est exact, exactement. C'est un, un kit avec un, un, un genre de, de clip à pince que les objectifs fitent sur le clip et puis que vous mettez par-dessus votre. votre objectif de votre, euh, euh, votre téléphone en tant que tel. Et puis, euh, justement, vous avez un qui donne une impression d'un œil de poisson. Vous avez un autre qui va aller chercher plus un plus grand euh, un plus grand, voyons, un plus grand grand angle que qu'est-ce que l'objectif fait dans le, le, le téléphone en tant que tel. Et vous avez aussi un autre euh, adaptateur où ce que euh, ça va rapprocher encore plus, ça va faire comme une loupe sur votre, euh, votre téléphone. Puis, dans ce temps-là, c'est un grossissement qui est affecté par l'objectif et pas par... Vous ne perdez pas des pixels, c'est-à-dire, euh, malgré que ce sont tous des, des focales fixes aussi. Fait que ça, c'est un très bon euh, outil à avoir dans son, euh, dans son sac d'accessoires. De, 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 vous avez aussi des adaptateurs euh, pour les trépieds. Vous avez une, multi, une panoplie de, de différents modèles que vous pouvez utiliser pour être capable de mettre votre téléphone sur un trépied pour soit faire une photo de groupe que vous, vous voulez être dans l'image, la, 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 euh, la, la photo en tant que telle, euh, ou que vous voulez faire, euh, genre, euh, que vous voulez, être, vous voulez prendre une photo d'un paysage et vous voulez être dans la photo du paysage en tant que telle. Là, vous pouvez l'utiliser directement sur un trépied. Vous avez d'autres accessoires ici, des mini-trépieds. Euh, dans le cas ici, c'est le Oh boy. C'est le Joby. Je ne me rappelle plus du, du modèle, mais dans, avec cette Joby-là, vous avez justement deux, deux bras d'extra que vous pouvez ajouter, soit des lumières, des accessoires de lumière euh, externe, comme on avait parlé tantôt euh, quand, quand euh, Marie-Claude Marie euh, a, a demandé à propos de l'éclairage. Euh, vous avez aussi c'est justement un, un trépied que vous pouvez aussi envelopper par-dessus une rampe, vu que c'est tout, tout man, euh, on peut toutes les manipuler pour, les, pour le, le sécuriser sur une. Moi, mon préféré, je t'avoue que moi, personnellement, mon préféré euh, que j'utilise euh, quand j'utilise mon, euh, mon, euh, mon téléphone en fonction d'un d'un appareil vidéo ou un, un caméra en tant que tel. C'est réellement euh, ma préférée, c'est l'Osmo euh, Mobile 3, euh, qui est léger. Euh, lui fait une certaine stabilisation en fonction du mouvement aussi, fait il s'ajuste, puis vous pouvez même le programmer pour qu'il suit. suit. So, justement, comme que j'ai, pour ceux qui me connaissent, euh, souvent je parle de... De, de mon cousin qui est, qui est euh, cuisinier à Toronto. Justement, lui, il s'est lancé un, 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 voyons, euh, un live, un, un vidéo live de, de, de cuisinier. Et puis, les autres sont, sont plutôt fixés avec des, des trépieds comme ça ici sur, sur, sur leur téléphone. Tandis que s'il y aurait eu ça, lui, permet de suivre ton sujet aussi. C'est que je peux avec lui encadrer dans le téléphone. Euh, sur l'écran, je peux encadrer la face ici de, du sujet. Puis tellement, euh, je veux dire, tant que le, le sujet reste dans le cadré, euh, dans le cadré, dans le viseur du téléphone, lui, il va s'adapter, puis il va suivre ton sujet, puis il peut suivre jusqu'à 360 degrés. Fait que la, la personne en tant que telle pourrait réellement être sur un, 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 un je veux dire, le, le Voyons, l'osmo le, le, le mobile peut être sur un trépied, puis la personne pourrait se promener alentour du euh, gimbal, puis lui va suivre le sujet, puis le garder toujours dans la même place sur l'écran. ça, c'est très, très intéressant comme genre euh, comme euh, accessoire extra. Puis je t'avoue que je l'ai dessus, je ne l'ai pas avec moi, mais il fit dans un petit euh, case parce que Ah, ben tiens, je peux te le montrer. So, si, je, si je le plie. C'est-à-dire que lui ici, comme ça, comme ça. Quand il fit dans mon sac, il n'est pas plus grand que ça. Quand je regarde avec le téléphone, voilà. Fait que, ça fait très bien dans un sac. Le premier euh, modèle que, que tu cherchais de Joby, c'est le Gorillapod. C'est ça, le grill gr Grillapod Kit, je pense, c'est ça? Exactement. OK. Celui-là, ah. il est vraiment plus flexible. Donc, on peut l'installer directement aussi sur, par exemple, une chaise, puis enrouler un des bras autour d'un support pour maintenir vraiment le, le support fixe à un endroit. Voilà. Que ce soit un arbre aussi ou quelque chose à l'extérieur. C'est ça, exactement. Et puis, justement, pour le Osmo, euh, le, celui que vous voyez sur l'écran, c'est le Osmo Combo Kit qui vient avec. L'étui le, 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 euh, rigide et le trépied que vous pouvez aussi l'utiliser euh, qui se fixe justement en dessous du euh, gimbal. Des trucs pour la photographie mobile. Il va nous pas rester cinq passer. minutes, AJ. Euh, ah. Donc, euh, je ne sais pas s'il t'en restait beaucoup encore à présenter. Je pense ah. qu'on en aurait encore pour euh, plusieurs heures. Hein? Oh, ben, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je t'avoue que c'est la dernière section. Euh, je pourrais y aller très vite là-dessus, si vous voulez, euh, juste pour finir la, la, la présentation. Et puis, euh, si vous avez des questions par après, ben, je pense qu'on va rester un peu plus longtemps live ou ils vont pouvoir me... Je vais pouvoir les retourner sur... On le peut chat. répondre à quelques questions par la suite sur, euh, à travers Facebook, euh, peut-être un Parfait. petit 5-10 minutes. Fait qu'ici, observez la lumière. Soyez sûr et certain que ton, ton, ton sujet soit bien éclairé. Dans cette, dans cette photo-là, l'histoire ici, c'est l'enfant. Ce n'est pas le, le requin, l'aquarium à l'arrière. C'est un, un fond. Fait Il faut absolument que la lumière soit sur mon sujet pour compter une meilleure histoire. Regardez ici, c'est que on s'est ajusté en fonction de les éclats de lumière qui auraient été sur le bâtisse. Euh, pas sur le ciel. L'histoire ici, c'est le bâtisse. OK? So, euh, ici, on peut créer certaines euh, lumières dramatiques, que, comme vous voyez ici. Donc, toujours garder un œil sur le, la lumière. La lumière, c'est la photographie. Il faut comprendre comment s'adapter en fonction de la lumière. OK. Un, un, si vous, justement, un, un, un exemple ici où j'ai trop d'éclats de, de lumière, j'ai trop de, 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 de zones noires. L'appareil en tant que tel n'a pas pu réellement chercher. So, dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Il n'a pas été capable d'aller chercher la différence des deux lumières. So, dans ce temps-là, c'est la job du photographe de soit photographier quest ce qui est surexposé ou d'enlever quest ce qui est surexposé puis aller chercher plutôt dans les ombrages. Fait que, je ne je je, je vais jamais dire qu'il y, y, y a une mauvaise temps à faire la photographie dans une journée. Il faut savoir comment. Que as ton appareil, c'est quoi les limites, comment est-ce qu'il s'en va chercher ces lumières, puis s'ajuster en fonction de ça. OK? voyez les hautes lumières versus les basses lumières ici. Ça soit que j'aille chercher les hautes lumières ou je m'en vais chercher les basses lumières. Ici, gardez euh, la belle, euh, justement, la belle euh, coucher de soleil. Puis, il n'y a aucun temps qui est mauvais ce temps. C'est-à-dire que si on regarde ici, la lumière est un peu plus euh, dramatique, tandis qu'ici, la lumière est beaucoup plus diffuse. Fait que dans ce temps-là, on s'ajuste en fonction de qu ce qu'on peut voir. Fait ici, on a, on a, on a déterminé que ce, que ce qui était plus important dans ces lumières-là, c'était d'aller chercher l'avant-plan ou ce que y a le, le, le petit ruisseau euh, ici. Même chose qu'on avait parlé tantôt en fonction de. Euh, des cas euh, mauvais en éclairage, bien, on peut quand même s'ajuster pour l'améliorer quand même. Prenez le temps pour le voir, puis pour le corriger. Surtout, euh, se rapprocher du sujet. T'sais, va chercher le sujet plus près pour que ton capteur capte. L'histoire ici, c'est réellement la maman puis le bébé. C'est d'avoir une arbre qui est à l'arrière de la tête, qui pousse de la tête des modèles. Est-ce que ça apporte une meilleure histoire? Pas vraiment. Fait que, tu sais, vraiment, choisissez qu'est-ce que vous faisiez. Pas juste à cliquer, 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 clique, puis prendre la photo telle quelle. Verticale versus horizontale. Typiquement, quand on prend une photo d'une personne qui est debout, on va le prendre plutôt en vertical. Quand il est assis dans un environnement, on veut capturer un peu plus de son environnement alentour de lui. Mais là, dans ce temps-là, on, on va choisir plus un, 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 un sujet euh, horizontal, je veux dire un, un, un cadrage horizontal. Vous avez aussi en composition euh, que vous pouvez appliquer sur l'écran de votre téléphone ou votre tablette. Euh, il y en a beaucoup qui ont, qui, qui ont déjà entendu de la règle des tiers. Euh, C'est pour faciliter où placer le sujet. C'est-à-dire que si vous regardez la première euh, image, il y a plus d'histoire dans le ciel. C'est là où -ce on a choisi réellement de euh, mettre notre horizon à la base tiers, à la tiers du bas, Tandis qu'ici, notre avant-plan et la rivière, c'était où ce y avait l'histoire, c'est ça où ce que je vais mettre l'emphase euh, sur le placement de mon horizon pour donner plus d'emphase sur l'avant-plan. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle justement, où, euh, euh, justement pour placer notre sujet mieux, c'est d'y aller chercher les quatre points forts de la règle de tiers. L'œil est porté plus d'aller chercher quelque chose qui est décentré que centré. Centré, pour, pour, pour l'œil, la façon qu'on voit, c'est comme fade, c'est comme, oui, OK, c'est centré. Mais si je l'inclus le sujet en fonction de son environnement un peu plus, là, il est porté plus d'aller chercher son point fort euh, dans la règle de tiers que d'autres. Pour, pour ceux qui veulent savoir comment euh, l'activer, la grille de règle de tiers, euh, vous allez dans les réglages, dans l'appareil photo, et vous avez juste besoin d'activer la grille en tant que telle, puis il va t'afficher sur ton. Ton, euh, ton écran pendant que vous prenez le, la photo, la grille de règle de tiers. Vous avez aussi, <coughs> euh, pour, pour améliorer la photo, c'est de décider comment est-ce que je vais prendre la prise de vue. Est-ce que je vais avoir la prise de vue ici à niveau? Est-ce que je veux prendre une photo ou est-ce que ça va être plus efficace de compter mon histoire en plongée ou en contre-plongée? Le photographe, je t'avoue, le photographe, c'est de la pratique plus que vous pratiquez, plus que vous allez garder en tête, qu'est-ce que vous avez fait en passé. Tu sais, la, la grande différence entre moi et un novice, c'est que bon, ça fait une quarantaine d'années que je fais de la photographie. Puis si je calcule juste les photos que j'ai prises depuis que le numérique est sorti, depuis 1996, j'en ai proche et probablement juste dépassé un million de photos dans ma banque d'images. Tu sais, j'ai beaucoup de photos en arrière de moi. C'est sûr et certain, je suis toujours en train de prendre des photos partout que je vais... J'ai toujours mon... Appareil. Ma femme vous confirmera, puis je l'ai déjà dit dans mes cours, ma femme vous confirmera que la première chose qui va dans l'auto, c'est mon appareil photo avant les enfants. que J'oublierai les enfants à la maison avant d'oublier mon appareil photo. Fait que, à quel point que je suis fanatique de, 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 de la photographie, euh, voici la, voici, voilà l'exemple. Et avec ça, tout le monde, je vous souhaite une belle après-midi, un beau euh, mardi. Et puis, euh, je t'avoue, Faites la photo. Pratiquez-le. Puis là, vous allez voir à quel point que vous pouvez. Puis peu importe qu'est-ce que vous avez comme, comme, comme outil, c'est d'apprendre les limites de votre outil et travailler en dedans et créer en dedans de lim les limites de votre outil que vous utilisez. Alors, et merci, AJ, être... euh, pour la présentation de, de ce super, ce super webinaire-là. Donc, « Traduction à la, à la photo mobile ». Euh, on espère, là, pour les euh, 850 euh, et plus euh, participants qui étaient présents, là, que vous avez vraiment apprécié ce, ce deuxième webinaire euh, live et gratuit euh, que Gosselin Boto Photo euh, vous offre. Euh, donc, on, on le répète, là, on l'a dit d'emblée, euh, mais pour ceux qui n'étaient pas présents, on va essayer de faire ça, euh, un rendez-vous hebdomadaire à tous les mardis midi. Donc, euh, si vous voulez rester informé au sujet des prochains webinaires, euh, simplement vous abonner à notre infolette et aussi à notre page Facebook. Donc, on va l'annoncer à travers ces deux plateformes-là. Donc, merci, J. Euh, on avait une dernière petite question là, qui a été posée par Luc Paulin. Exactement. Euh, je suis sa train de question regarder. était, est-ce que les objectifs portables pour téléphone sont efficaces et est-ce que cela vaut la peine? Luc, une très bonne question. Efficace dans quel... Dans quel ma question à, à vous, ce serait à quel point est-ce que vous parlez d'efficacité. C'est sûr et certain que vous êtes en train, euh, sont efficaces dans la fonction de qu'est-ce qu'ils font, c'est-à-dire de, de, de grossir mon image ou de rapprocher mon sujet. Ça marche très bien. C'est sûr et certain que, tu sais, c'est pas des objectifs ZEISS, c'est pas des objectifs de, 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 de Voigtlander, euh, tu sais, je veux dire, c'est pas des objectifs de, 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 de 3000 comme qu'on a sur les, 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 euh, les voyons, les, les sans-miroirs puis les, les réflexes. Mais, d'après, puis je les ai utilisés. Puis c'est très intéressant en fonction de qu ce qu'ils peuvent apporter de plus à spécialement les tablettes et les, 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 euh, les téléphones intelligents où ce qu'ils ont sont pognés avec un seul focal. Euh. Quand on parle toujours en fonction de, oublie pas, il faut comparer des pommes avec des pommes. Quand on parle de l'efficacité, l'efficacité, ça ne veut vraiment pas sortir aujourd'hui. L'efficacité. On va dire efficiency, OK? Efficacité. Merci, salut Merci Marie-Marie um, Justement, oui, c'est assez efficace pour quest ce qui était conçu pour faire. N'oublie pas, on joue toujours en dedans de la qualité d'une image qu'un un téléphone et un, un, un tablette vont reproduire. Fait que Déjà que qu ce n'est pas ce qu'un plein capteur va, va produire pour, pour, la, pour la qualité d'une euh, photo de fond, d'iPhone de, de, de ou d'Android. Je t'avoue que oui, c'est efficace quand même. C'est beaucoup plus efficace que juste d'y aller, zoomer sur votre écran en utilisant le numérique parce que vous, vous, vous récupérez to totalement tous les pixels de votre capteur. Merci pour la question, Luc. Ah, bon, ben c'est ce qui va conclure le webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, on vous invite à, à commenter là, sur le, le post du Facebook Live là, sur la page Facebook. Puis, on va essayer de, de répondre le plus possible là, à, à toutes vos questions. Bien entendu, si jamais ce n'est pas possible, là, euh, parce qu'on a quand même un, un gros volume de participants. Donc, on est super content que vous aviez répondu présent là, au webinaire aujourd'hui. Puis, on vous attend, là, euh, comme annoncé, là, via l'infoulette, euh, notre page Facebook. On va vous annoncer là, le prochain webinaire euh, sous peu. Donc, merci, J. Merci à tous. Merci, Marie-Claude. Merci, tout le monde. Je vous souhaite une très bonne après-midi, une belle semaine. Et puis aussi, euh, je crois qu'on en, en a un autre qui s'en vient le vendredi. Et puis, on euh, parle, pas euh, euh, Prenez soin de vous, euh, restez euh, sain. Euh, si, vous, si vous sortez, gardez votre distance de deux mètres en tout temps. Euh, mais sortir, sortez, sortez. Puis va prendre une balle d'air. Même moi, après ça là, je m'en vais euh, prendre une ride de bicycle avec les petits, mes petits enfants, fait que. Euh, Bonne semaine à tous. Merci. Bye-bye.